Le président de la République, Jovenel Moïse, a été assassiné le 7 juillet par des mercenaires payés. J'ai bien dit payés. Le président donc a été assassiné, la CAD dans sa résidence privée, à Pèlerin 5. Et tout le monde était aux images qui t'a circulé sur les réseaux sociaux. Côté où est qu'on apprend plus d'une douzaine de balles. Il était torturé. Et les images avaient fait le tour du monde. L'image a été révoltée et indignée. Le monde entier. Depuis cet assassinat, tout le monde s'est transformé rapidement en enquêteur, en accusateur, en donneur de leçons, en journaliste. La majorité des hommes et des femmes qui font la politique en Haïti ont tenté d'expliquer l'assassinat président à leur manière, à leur façon, selon que pour président ou contre président, il y a une certaine explication. Et bizarrement, tout le monde est devenu spécialiste ou criminologue. Gagner une désinformation autour de l'assassinat, ça, qui te permettent moi-même, comme journaliste, que je te prends un peu de recul pour essayer de comprendre, pour ne pas paraître même bien avec tout l'autre monde qui a dit n'importe quoi, ou bien qui a pointé du doigt, ou qui a identifié monde, ou groupe monde qui a tué Jovenel Moïse. Là. Gagner des mondes déjà. Des gens qui ont donné des résultats de l'enquête. Soit pour protéger campagne, camp politique, ou camp économique, soit pour accuser camp qui est en face là, qui est en camp politique ou bien en camp économique. Dans la foulée, inconnu, ça veut dire des mondes que le monde va arriver à identifier. Ils ont envahi les réseaux sociaux. En pile, ils ont profité de disparition subite et brutale de Jovenel Moïse pour régler compte avec soit PHTK ou bien avec l'opposition. Ou du moins, gagner des nègres qui carrément identifié oligarque. Il faut dire, les mouni identifié oligarque, cette minorité cupide et égoïste, mais tout le monde sait dans ce pays que Jovenel menait une bataille à bâton rompu contre ces gens. Chaque minute qui a passé, bon information qui arrivait sur la mort de Jovenel Moïse. Et information qui arrive à lui pousser l'autre information. C'est comme si chaque jour une nouvelle y a bail. Et nouvelle ça, mon pas jamais arrivé, mettait tout comme un puzzle pour monter une véritable pour mettre sur une table pour garder pour eux de manière scientifique qui ça t'est arrivé. Gagner forum anti-Jovenel. Que y a des gens qui battent la grosse caisse autour de la mort de Jovenel Moïse. M'a suivi, m'a regardé. Il y a des personnalités connues. Au lieu de disons que personnalité connue, ça veut dire des nègres, des intellectuels respectés, respectables dans ce pays. Au lieu que vous dénoncez drame national, ça,
yo préféré dire plutôt dans des textes qui publiés sous réseau a, Jovenel te mérité ça. C'est ça yo écrit, c'est ça yo dit. Quelle honte pour nous-mêmes peuple haïtien. Et face à cette situation, ça m'obligeait, je dis à font citation. Même si on monde te raillit Jovenel, même si tu es en opposition par rapport à Jovenel, ou pas t'as qu'à content leur bon chef de l'État. Des mercenaires rentrés, ils ont torturé, ils ont tué, et puis ou Dieu content. Donc, je devrais utiliser la parole d'un gros écrivain dit. La haine donne une raison de vivre. Mais sachez bien, si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Et proverbe ça, gagne un chef spirituel, religieux, qui te reprenne, Yorelel Bunda. Donc, faute d'indice, faute d'institution appropriée, spécialisée, faute de compétences dans le domaine d'enquête, dans le domaine d'enquête criminelle, nous nous accrochons aux informations diffusées par les médias internationaux. Mais Walter, nous, Nixon, nous obligés, c'est ça international là, à dire que nous avons suivi. Évidemment, raison, puisque dans ce pays, on fait confiance à CNN, Fox, France 24, TF1, RFI, New York Times, etc., BFM TV. Malgré les efforts visibles de certains journalistes haïtiens, des journalistes professionnels, la polarisation est tellement vivante, tout le monde se confie à journalistes étrangers. Et c'est dans cette grande confusion, dans cette situation de non-confiance aux journalistes haïtiens, que j'ai moi-même commencé l'enquête sur l'assassinat bizarre de Jovenel Moïse, avec comme objectif, non pas de trouver tout de suite moi-même les coupables, mais au moins pour qu'un média haïtien qui pourrait marquer une certaine différence, ça t'a permis de nous imposer nous comme médias sérieux au niveau international et expliquer avec clarté ce qui s'est passé réellement dans cette affaire. Et ce qui est clair, c'est qu'après l'acte 1, beaucoup de journalistes étrangers ont fini dans ce groupe et les ont venus dans ce groupe, ils ont venu chercher information qui a rapport à acte 1, Sam Tabdia. Dans ce sens, j'ai pris du temps pour préparer l'acte 1 de cette série. Et pour le monde qui part suivre émission lundi 26, et en pile moun relèm, même si en pile moun ka regardé sur réseau, sur YouTube et ça Walter, avec Facebook, moun tellement relèm, yo mandé m'gari di, fouti résumé pour yo, et m'obligé avant de commencer l'acte 2, de faire un résumé rapide hein, de l'essentiel de l'acte 1. Donc, le 7 juillet, à 1h34, le président Jovenel Moïse tendait des coups de feu, des tirs nourris, tout près de la Kaili. Et le coordonnateur en sécurité par les nationales, hein, qui c'est la guerre en civil, pour dire que la guerre est en danger,
vin sauver, me voyer renfort. À 1h35, je donne 15 heures. Civil, relais Dimitri là pour le dire, montez tout de suite, car le président appelle le 5, et Dimitri répond, commandant, moi en route. La civil, fin de parler avec Dimitri, civil relais Hubert Gentil, qui est chef sécurité, chef d'équipe, la cage Jovenel. Mais Hubert, pas jamais répond. Les civils, pas joindre chef équipe là, civil relais assistant chef équipe là, dans le palais national, qui c'est M. Becker. Becker Stephen. Il joint ni dans le téléphone, et civil dit, Becker, dégagez-vous, voyez moun dans la base Jomo, parce que y a un problème dans la base Jomo. À 1h46, civil relève Dimitri pour vérifier si Dimitri est en route. Et Dimitri confirme à civil dans le téléphone que la route l'a monté. À 1h47, civil joint le commandant 4 team nan, qui c'est Paul Eddy Amazon. Et il dit, Eddy, il y a un problème. Et il dit, moins au courant, moins en route, m'a monté pèlerin 5. À 1h50, civil relais directeur général Léon Charles pour l'informer de situation. Et Léon Charles dit civil, lié au courant, président relais. À 1h52, civil quitte la CAELI, qui c'est Thomas 37, lui récupère le chauffeur sur route là. Et à 2h18, civil t'es déjà trouvé dans l'entrée pèlerin 5 là. Président Jovenel toujours en difficulté. Il continue à relayer. C'est ainsi, à 1h45, Jovenel relaie Dimitri Erard. Elle dit Dimitri, viens sauver. Dimitri, pas oublié, non. Président relaie civil et président relaie Dimitri. Et comme nous connaissons Dimitri, déplacé pour arriver comme président. Et c'est pendant la route, il arrivait par le rétroit, il y a une machine qui est venue, et c'est Vladimir Parizon qui était dans la machine. Nan. Et Vladimir, t'es déplacé lui-même, il va faire résumé pour nous, parce que Vladimir t'a recevoir un coup de fil de Léon Charles, ok? Et Vladimir t'a recevoir ton coup de fil de président de la République là. Et Vladimir montait, il quittait toute salle d'affaires rapidement, monter dans la nuit là, il fait route pèlerin, et c'est là le croisé avec Dimitri dans pèlerin 3. Deux nègres, ils parlaient, et ils dit, ils parlent dans pèlerin 5. Et là où ils viennent dans pèlerin 5, ils ont une équipe nègre lourdement armée, cap sorti dans la cour caille président. Ok? Et Nego dit, opération DEA, get back. Opération DIE, fait back. Et véhicule Nego te monté pour entrer comme président. Véhicule ça yo, Nego a sorti tout doucement dans le pèlerin 5 là avec chauffeur qui a conduit machine et au même était à côté de cortège machine qui a sorti là tout nèg zam à la main a marché doucement il a sorti doucement dans le pèlerin et est arrivé sous voie principale Dimitri continue de faire bac avec Parizon et Nego non haut-parleur a parlé, il dit fais back, c'est Dié qui a fait opération. Une fois que Colombien assaillant, il a descendu, Parizon lui-même, prend machine, il va descendre, il monte par le 1-5. Ok? Il monte par le 1-5.
85, et le nègre fin commence à descendre, par raison, tourner, l'entrée dans le palais 85 là, lui joindre policier ou maré, et lui joindre deux autres nègres USP, et il mandait nègre USP ou accompagner, et c'est là ça l'entrée qu'a le président, lui ouais Martine à terre, ben ensemble, et lui dit Martine, lui dit première, et Martine parle avec elle, et le ça, petit président entre dans la chambre, et par exemple, suit petit là, et il découvre cadavre président. Et le par exemple, découvre cadavre là, par exemple, il est Léon Charles, pour le bas de la nouvelle là. Et la nouvelle là, n'est-ce pas accueilli avec désespoir. En pile, n'est-ce pas crié. Et c'était de la panique. Mais il faut me rappeler nous que le Léon nouvelle là, Léon était bon commissariat Pétionville. Par la suite, il y a un chauffeur Martine qui vient arriver, ben, par exemple, pour un chauffeur Martine, il met Martine avec deux timons dans une machine et au fond cortège, ok, pour mener Martine à l'hôpital. Entre temps, leur paraison fin bail Léon Charles nouvelle là, Léon Charles ordonné à policiers pour barrer route Bokinam. Kounia, moi toujours à expliquer nous, dernière partie dans acte 1 pour nous bien comprendre. Et Colombien continue à descendre. Pendant ce temps, pas oublier, Dimitri Hera lui-même l'a descendu tout. Mais Colombien a descendu doucement. Et Dimitri Hera descend, filet descend. Avec dit de Père 5, l'a descendu sous Pétionville. Avec troupes IRGPN qui étaient retrouvées. Et sur route là, Dimitri Hera mettait trois policiers cachés dans le bois pour ne pas être capable de balle information. Sous n'est pas besoin pas oublier, il fait noir. N'a comprendre plus devant pour qu'il salte la guerre. Parce que nous allons parler de ça un peu plus tard dans l'acte 2. Et quand on connaît, résidence président saccagé, et civil rivé lui-même, il m'a des policiers au sac passé, ils répondent, commandant, nous pas de café rien. Et civil m'a dit, monsieur, je ne comprends pas. Pas de balle qui tire, pas de personne qui est blessé. Nous avons des gens qui mourent, pas de ça du tout. Comment faire nous pas gagner?